Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui, elle est faite à la suite de la demande de l'un de mes abonnés qui m'a contacté récemment et qui m'a exposé un problème existentiel. Il m'a expliqué que son fils, en bas âge, allait régulièrement mettre ses doigts, ses petites mains bien mignonnes sur l'écran de la télé avec du ketchup ou avec autre chose. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. J'ai aussi un enfant en bas âge qui me fait exactement la même chose. Je lui ai répondu, écoute, ça tombe très très bien. Je comptais faire une vidéo expliquant comment nettoyer son écran TV, que ce soit un QLED ou un OLED, sans l'abîmer et sans altérer le traitement anti-reflet. Ne bougez pas, restez jusqu'au bout de la vidéo. Chers amis, avant de lancer ce tutoriel super pratique et très important, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Cela aide au référencement de ma chaîne YouTube. Et moi, ça m'encourage à vous proposer encore plus de tutoriels comme celui d'aujourd'hui. Allez, on part directement découvrir comment prendre soin de son écran téléviseur. Alors mes chers amis, pour nettoyer un écran, il existe différentes solutions. Alors j'en ai entendu des vertes et des palmures comme on dit, de l'Ajax, du détartrant et du, vous savez, du produit pour nettoyer les lunettes. Donc c'est un produit à base d'alcool. Vous pouvez voir, il y a écrit dessus, ça nettoie les appareils photo, les lunettes, le casque pour la moto, mais aussi les écrans TV et ordinateurs. Ah, ces produits, mes amis, il faut les interdire, les bannir pour le nettoyage des écrans TV. Ne jamais nettoyer votre écran TV avec ce genre de produit. Vous allez flinguer votre téléviseur rapidement. Pourquoi ? Alors, ces produits sont pleins d'alcool et d'additifs agressifs qui vont venir rendre votre écran encore plus gras, mais surtout altérer et attaquer l'anti-reflet. Je m'explique. Donc là, vous voyez, mon écran est tout noir. Il est bien sale. Moi, j'ai mon fils qui s'est amusé à mettre ses doigts dessus, là, un peu partout. Là, je le vois d'ailleurs. Alors, sur chaque écran, alors quelle que soit la taille de l'écran, quelle que soit la gamme de l'écran, il y a ce qu'on appelle un traitement anti-reflet, plus ou moins efficace, plus ou moins fort. Moi, sur mon QLED, il y a un anti-reflet qui est très très fort. Donc en fait, l'anti-reflet, ça va éviter que la lumière ou que votre reflet ne se voie sur votre écran TV. Ceci pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et faire en sorte que l'image ne soit pas mélangée avec des reflets du sol, etc. Alors, il y a différents types de reflets. Plus l'écran est cher, plus l'écran est haut de gamme et plus l'anti-reflet est efficace. Moi, sur cet écran TV, qui est un écran TV haut de gamme, j'ai un anti-reflet. Vous voyez, normalement, vous ne voyez pas, j'ai de la lumière qui tape sur moi. Là, l'écran absorbe le reflet. Si je regarde un film, normalement, l'image de mon film ou de mon contenu ne sera pas altérée par cet anti-reflet. Si vous utilisez ce type de produit, nettoyant pour vitre, ou bien des petites lingettes alcoolisées pour nettoyer vos lunettes, vous allez, à force de l'utiliser, abîmer votre anti-reflet et flinguer cet anti-reflet qui est juste vital pour la qualité d'image de votre téléviseur. Et au-delà de cela, moi, j'ai vu des gens utiliser ce type de produit pour des téléviseurs. Ça va encore plus rendre l'écran beaucoup plus gras et vous allez galérer à retirer ce gras qui est sur votre téléviseur. J'ai une solution très facile, hyper efficace, pas dangereuse pour votre écran et naturelle. Allez, je vais vous montrer ça, les amis. Petite recette magique qui a été validée par Cobra TV en personne. Et vous allez voir, les amis, que c'est vraiment très, très efficace. Pourtant, avant de faire quoi que ce soit, pensez à bien éteindre votre téléviseur, voilà, à le laisser refroidir. Parce que lorsqu'on manipule un écran qui est tout chaud, c'est pas très conseillé pour les composants qui sont à l'intérieur, qui sont très très chauds. Il y a un risque que ça puisse se dessouder ou s'abîmer. Donc laissez votre écran bien refroidir. Si c'est un QLED ou un LCD classique, si c'est un OLED, ne le débranchez surtout pas, éteignez-le et laissez le cycle de régénération se faire pour les traces sur l'écran de manière à ne pas l'abîmer. Voilà. Et une fois que le cycle est terminé sur OLED, vous pouvez le débrancher. Mais laissez bien le temps à votre écran OLED de se régénérer. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le processus. Les LED, les OLED ont tendance à laisser une trace sur l'écran. Donc voilà, il y a un système qui permet de régénérer l'écran. Laissez-le régénérer un quart d'heure, 10 minutes. Et ensuite, vous pouvez retirer la prise. Donc, retirez bien la prise dans les deux cas, que ce soit un QLED ou un OLED. Mais attention pour le LED, prenez le temps de laisser au téléviseur de se régénérer. Deux produits très simples qu'on trouve dans le marché, dans tout type de centre commercial et qui coûtent vraiment pas cher. Du vinaigre blanc de table, quelle que soit la marque, du vinaigre blanc de table et un bon bidon d'eau déminéralisée. Cette eau, pour info, qu'on utilise
pour les faire repasser pour les stations vapeur. Alors, ces deux produits-là mélangés dans un spray vont faire en sorte de nettoyer l'écran et de ne pas l'agresser. Je vais vous montrer le dosage et ensuite, on va faire le test directement sur mon téléviseur. Vous prenez votre eau déminéralisée dans un récipient. Vous en mettez un petit fond. Voilà, mais vraiment un fond. Vous voyez, j'ai mis ça d'eau, cette quantité-là d'eau. Et vous prenez votre vinaigre blanc et vous en mettez, allez, 2-3 jets, pas plus. 1, 2, 3. Vous fermez votre récipient, votre spray, et on va mélanger le tout. Voilà, vous mélangez. On mélange. Voilà, donc là, j'ai mon petit mélange qui va m'aider à nettoyer l'écran. Alors, il faut aussi deux chiffonnettes. Donc, ce sont des chiffons très doux qui se vendent en centre commercial. Ce qu'on appelle des chiffons antistatiques, anti-poussière. Très doux, qui ne rayent pas la télé. Donc, un pour pouvoir l'asperger du produit et le deuxième pour pouvoir sécher l'écran. Alors, regardez. Alors, je prends mon petit mélange que je ne projette jamais directement sur la télé. Jamais, les amis. Vous en mettez... Allez, on va mettre... Ça remonte. Alors, vous en mettez 2G. 1, 2... sur votre chiffon et vous allez venir faire des cercles comme ça sur votre écran, sur les parties tachées ou bien sur l'ensemble de votre téléviseur. Voilà, vous faites des ronds comme ça. Une fois que vous êtes passé sur toutes les tâches, vous prenez votre chiffon sec tout de suite sans laisser sécher et vous séchez directement derrière. Voilà, parce qu'en fait ce mélange a tendance à sécher et si vous le repassez pas par-dessus directement avec un chiffon sec, ça va laisser des traces. Voilà, vous voyez les amis, j'ai même pas besoin de forcer. Regardez, je force même pas. Je fais bien des ronds partout. Et là, mon écran est juste nickel. Alors, on ne le voit pas à la caméra malheureusement. Là, on voit la propreté. Mais vraiment des traces de doigts de mon fils bien grasses qu'on ne voit pas à la caméra. Mais croyez-moi, ça a vraiment nettoyé l'ensemble de l'écran. Alors là aussi, j'ai des. Je me décale un peu. Là aussi, j'ai des taches. Je prends mon petit mélange. J'ai de bonnes taches de doigts. Je mets un petit. Voilà, en forme de cercle comme ça. Voilà. Hop. Et je vais ensuite repasser avec un chiffon sec. Sans forcer, ça ne raye pas, ça ne laisse pas de gras. Et surtout, ça n'attaque pas le traitement tire-reflet, qui est juste primordial et vital pour la qualité de votre téléviseur. Alors moi, j'ai une barre de son qui est juste en dessous. C'est un mélange que vous pouvez aussi utiliser pour nettoyer votre barre de son. Hein, parce que la poussière peut tomber dessus. Voilà. Et vous repassez un petit coup de chiffon sec. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble de votre équipement qui brille. Et honnêtement, ça prend que quelques secondes et c'est hyper, hyper efficace sur les taches de gras, les taches de saleté, les doigts, le petit capri du chocolat qui en fout sur l'écran, du ketchup. Moi, ça m'arrive régulièrement. J'ai droit à ça deux fois par mois à nettoyer cet écran pour retirer ce gras. Voilà, mes amis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Un petit tutoriel rapide en 5 minutes. Petit conseil, comment prendre soin et nettoyer son écran TV, que ce soit un QLED, un OLED ou un LCD. C'est exactement la même chose. Attention à bien veiller à respecter les règles de précaution que je vous ai indiquées dans la vidéo avant de commencer le nettoyage. C'est des produits pas peu chers qu'on trouve dans le commerce et vous en avez pour un certain nombre de mois en achetant un bidon d'eau déminéralisée et du vinaigre blanc qu'on trouve partout. Vous mélangez le tout, mettez beaucoup plus d'eau que de vinaigre. Vous mélangez l'ensemble dans le récipient et vous l'appliquez directement sur le chiffon, faites des ronds sur votre téléviseur et votre téléviseur sera nickel. Et honnêtement, moi, j'en suis très très content. Ce procédé, vous pouvez l'appliquer à votre écran TV, à votre écran par exemple d'ordinateur, à votre par exemple à votre armoire avec un verre ou un miroir par-dessus. Ça s'applique à tout type de surface qui est réfléchie de la lumière. Bon, attends mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire et me dire ce que vous pensez de ce tutoriel. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.